à tous et bienvenue dans ce nouvel ATV. Cette semaine, nous commençons par la vidéo des gagnants du concours pour la publicité du MISC Prospector. Félicitations à Narianne, Usgard et Gintenzo pour leur superbe vidéo. Et passons maintenant à la suite du programme avec les mises à jour du développement. Le système de route continue d'être développé et nous avons droit à un petit aperçu de son fonctionnement. Les développeurs essaient de trouver le meilleur moyen pour vous indiquer les distances d'un point à un autre. Et quelle distance vous pourrez parcourir sur le tracé de votre route avant de tomber en panne de carburant. Ce système vous permettra de choisir un point n'importe où dans l'espace et créera automatiquement le meilleur trajet pour arriver à destination. Comme vous pouvez le voir sur ces images, la partie rouge vous indique que vous n'aurez pas suffisamment de carburant pour arriver à bon port. Il faudra donc faire un arrêt à Craestro pour faire le plein. Dans le coin supérieur gauche, vous aurez un résumé de toutes les informations nécessaires pour votre voyage, comprenant les points de passage, ainsi que la quantité de carburant nécessaire. Au fur et à mesure que vous progresserez, le trajet en vert se grisera, pour indiquer les distances déjà parcourues. De plus, un petit indicateur vous permettra de connaître votre position. Une première implémentation est en cours de test, et est donc encore différente des images que nous avons pu voir. L'implémentation des multi-chats dans le jeu continue de progresser, ce qui permettra au groupe de mieux communiquer et d'avoir une meilleure expérience en jeu. Il y a 2 semaines, nous avions découvert les premiers visuels de Walla, l'une des lunes de Harcorp. Et ces visuels ont amené des discussions sur de nouvelles façons de miner. Il est trop tôt pour parler de ces mécaniques, mais il est intéressant de voir comment de nouveaux environnements peuvent amener de nouvelles formes de gameplay. Lorsque de nouveaux corps célestes sont ajoutés, il y a énormément de choses à prendre en compte. Et de nombreuses équipes sont impliquées dans la conceptualisation pour s'assurer que tout fonctionne depuis l'artistique jusqu'au gameplay en passant par le lore. Il ne s'agit pas tout simplement de mettre une planète et de la jeter sur l'orbite de Stanton. La première chose à discuter lors de la création d'un système est sa taille, car il peut y avoir des limitations techniques sur la grandeur des planètes que vous pouvez construire. Il faut aussi s'interroger sur l'aspect que doivent avoir les lunes, car les artistes voudront qu'elles soient le plus épiques possible à la lumière du jour. Car n'oublions pas que la première source de lumière dans un système est son étoile. Mais en même temps, cela ne peut pas être uniquement une œuvre d'art. Vous devez pouvoir voler autour, car après tout, elles font partie des mécaniques de gameplay. Pour s'assurer que tout fonctionne, les développeurs s'inspirent de notre système solaire. Cela permet d'estimer les distances entre chaque objet, ainsi que les échelles. Ils ont donc fini par choisir des distances au 1 dixième et des échelles de lune au 1 sixième, qui sont donc légèrement plus grosses, tandis que l'étoile, elle, reste à taille réelle. À cette échelle, vous aurez l'impression que le soleil est à côté de vous si vous tenez sur Mercure. Ces changements permettent d'avoir un rendu très science-fiction, un peu à la Star Wars, et donc très impressionnant plutôt que d'avoir de tout petits points dans le ciel à peine perceptibles. Grâce à cet exercice, les développeurs ont pu retravailler Stanton. L'étoile double de volume et Crusader rétrécit un petit peu. Mais là où nous nous rendrons vraiment compte de tout cela, ce sera lors des ajouts arrivant prochainement, avec le soleil filtrant à travers l'atmosphère de Hearthstone et les lunes orbitant autour. Passons tout de suite aux nouvelles du pipeline avec Jared. Quelques nouvelles du F8 qui a reçu quelques mises à jour suite à des changements sur les animations d'entrée et de sortie du vaisseau. La position du pilote a aussi été revue et nous pourrons voir tous ces changements une fois Squadron Card 2 disponible. Le Anvilok fait de beaux progrès en face de White Box. L'intérieur du cockpit a grandement évolué pour refléter le design unique de l'extérieur du vaisseau. Le Hawk devrait très certainement passer en phase de Greybox courant du mois prochain. L'équipe travaillant sur ce vaisseau est d'ailleurs la même qui avait déjà travaillé sur le Terrapin. Le Hammerhead, qui va bientôt faire son apparition, reçoit les dernières touches sur les effets et sur ses états de dommages. Pour plus d'informations, vous pourrez suivre le Reverse the Verse de demain, pour un shipshape spécial Hammerhead. Retrouvons des nouvelles des courses de carambolage où de récents ajustements au gravelève ont changé la donne sur ce type de mission, qui ont d'ailleurs mis en évidence les problèmes que les véhicules terrestres pouvaient avoir. Leurs lumières ont donc été améliorées ainsi que la durabilité des roues du cyclone. Elles ne se décrocheront donc plus lors d'un passage sur un dodan. Le gravelève a été revisité pour que les véhicules l'utilisant ne puissent plus décoller, pour garantir une meilleure expérience pendant les courses. Les développeurs travaillent actuellement sur la possibilité qu'auront les passagers du Dragonfly d'aider le pilote en faisant des tirs de couverture, mais également pour le cyclone. La 3.3 devrait bientôt arriver dans les mains des Evocati. Leur permet de tester la mise à jour le plus tôt possible, permet d'élargir rapidement le nombre de personnes ayant accès au PTU.
ce patch sera un petit peu spécial, puisqu'il y aura deux versions différentes, une avec l'OCS et l'autre sans, permettant de mieux définir l'origine des bugs. La mise à jour 3.3 sera disponible le 10 octobre pour la CitizenCon, permettant de mettre la main sur tout ce dont nous avons parlé récemment. Hearthstone et l'OCS seront disponibles un tout petit peu plus tard lors d'un patch intermédiaire qui sera la 3.3.5. Cette vidéo est maintenant terminée, merci à tous d'avoir regardé, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux ainsi que sur le Discord Roxy La Rotule, les liens sont dans la description. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un tour sur notre Tipeee, mais aussi partager cette vidéo, vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Moi je vous fais des gros bisous des étoiles et je vous dis à très bientôt. Around the Verse.